Salut les amis, c'est Kobuza et Exa. Bonjour. Salut. Voilà, bonjour. On se retrouve. On s'était quitté ici. Voilà, donc. Ouais. Malheureusement, on n'a pas fait d'ellipse pour rusher nos Pokémon parce que le problème, c'est qu'on on peut plus sortir du bateau. Voilà, on est bloqué, on sait pas trop comment sortir. À part de se mettre KO, mais c'est un peu bête, je trouve. Donc, on va finir tranquillement ça. Ça nous fait entre guillemets. Ah oui, d'accord, il nous affronte, Charlie, très bien. Oui, il a un Kanidos. Mais non. En soi, ça nous fait quand même pas mal XP, ça aussi. Après, on ira XP peut-être dans d'autres herbes parce que du coup, on va avoir un peu trop de level par rapport aux autres. En soi, moi j'ai XP que Monkey, donc les autres ils sont vraiment pas au level. Hein. Oui. Hop, gros. Oh, le coup critique qui fait plaisir. Hop, ok. Tiens, génial. Mais ouais, je pensais que c'était beaucoup plus fort. Donc ça va en fait, ouais, c'est. Ouais, c'est un niveau correct. Ça. Pour l'instant, ça va. Bon, après, le champion de la range, peut-être pas le tester à ce niveau-là, tu vois. Ouais, oh, ouais. Le Rail Ace qui vient déchiqueter le Monkey, mais non. Bon, bah, rip Monkey. On va essayer de mettre Nidoking pour voir un peu. Heureusement, j'ai fait roulade, moi. Comme ça, au moins, ça permet d'anticiper sur le prochain. Sur nickel. Bah, c'est bon, j'ai gagné le combat. T'as roulade sur le compte Carapuce ? Sur. Carapuce. Ragayou ? Sur Kanidos. Oui, mais avec quel Pokémon t'as fait ça ? Ah, avec Sunslash. Sablero. Ah, Sablero. Ah oui, c'est vrai que t'as Sablero, putain, j'avais oublié. J'étais en mode, il le fait avec quoi, Roselia? Avec quoi il le fait Non mais Roula, tu vois Roselia se mettre en boule et bah, rouler. Bah, je crois que Carapuce, il a pris une sorte d'attaque un peu chelou comme ça. Est-ce que Anna, elle fait des combats aussi? Il affronte lui, là, ou pas? Non. Le vieux, je sais pas. Non. Mais la vieille, non. Il affronte pas. Il s'en bat les couilles. Il fait nég. Bon, moi, je vais les soigner, hein, parce que Monkey, il a crevé. Moi, je vais prendre... J'ai pas encore affronté Carapuce avec Hypnomad. Hypnocon, on va l'appeler Hypnocon. On va essayer de combattre Carapuce. Je voulais voir un truc. Mais non, mais soigne-les. Alors. Tu vas nous faire. Coup de boule. Mais attends, mais il a coup de boule. Du coup, il peut faire tomber des trucs de l'arbre. Ouais. Oh, intéressant. Ah bah du coup moi je vais monter un petit coup. Attends, dans les poubelles il y avait des fois des potions, des hyper potions et tout comme ça. Est-ce qu'ils ont laissé? D'accord, non, ils se sont battus. Mon Hypnocon là, il est mort, donc ça sert à rien. Il en fait, il est level 16. Ah ouais. Ah, je l'ai capturé, il a monté que d'un niveau. Oh putain, ah ouais, le premier étage ça va être chaud hein, parce qu'il y a tellement de salles, mon gars. Merde, tu fais la connerie. Oh lolo, mais il y a trop de déserts ici. Ils affrontent tous? Non, quand même pas. Putain, mais moi j'ai quand même envie de tous leur parler parce qu'ils donnent des CT, il y en a des fois. Dans le 1. Enfin, dans celui de base. Ah là 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 là. Alors, Carapuce, tu veux voir ton père? Eh ben, je te présente Carabaf, mon pote. Ah, mais il a pas volé? Hein? Ah, mais non, mais t'as un Carabaf, toi? Oui, j'ai un Carabaf. Ah ouf, si j'avais fait what, mais il a pas évolué, il évolue combien? Docteur Neumann. Il fait quoi ce con? Ah putain, attends, il pose une question. Le capitaine est very ill. C'est quoi ill? I deux L. Vrai, est en santé. D'accord. Il ne. Bon, je vais mettre un truc au pif. Le capitaine nanana m'habite. Bon. Pas trop ce qu'il a dit. Ouais, Ken. Waouh, mais je mets tellement les trucs en dom. Ok, bon, vas-y, il m'a saoulé, je me casse. Bon, ça sert à rien d'aller tout au fond en bas là. Hop, je vais aller dans cette salle. Et dans cette bon, salle. Bon, bah écoutez, notre. Comment il s'appelle? Notre soporifique. Ah, non, il va pas être utile pour. Attends, mais est-ce qu'on peut checker le PC pour. Non, pas. Pour tout simplement là, le bateau, du coup, on va pas l'utiliser. Ouais. On va laisser la priorité aux autres. En fait, il va surtout te servir pour la 3e, 4e arène. Ouais. Comme ça, limite, tu seras pas obligé d'avoir un pyroli. Parce que c'est vrai que, limite, au lieu de me faire un pyroli, en fait, j'étais en train de penser, genre, je pourrais me faire un Voltali et choper un Kalidos pour me faire un Pokémon de type feu et virer Roucoups, du coup. Ah ouais. Je pense que ce serait Attends, mieux. On peut pas remonter. Mais si, on peut sortir du bateau. Ah bon? Oui, oui. Sérieusement? Oui, on peut sortir du bateau. Oh, Matt Chopper. Bah, bon, bah, ça fera 4 épisodes comme ça alors. Hop, oh putain. Oh là là. Ah, ouais, mais t'as l'endroit où y a tous les Warriors là. Ah, ouais, non, mais il m'a fait revanche, mon gars.
Mais d'où là, ma cogneur? Eh, t'as vu? Mais comment je vais faire? Je suis contre un sablero là. Ouh. Putain, ça va être chaud. Guest. Ouais, je mets pas grand chose. Hein. Revanche. Oh lolo, je suis choqué des dégâts. Allez, fais. Oh là 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 là. Allez, mec, mais c'est tendu hein, dans ce bateau. Ah ouais, ben ça va être. Oh, Machamp! What? Quoi le... Attends, le mec a Machoke, Machopper et Macogneur. Stop! Ah. Enfin, arrête! Mais Macogneur, j'ai jamais le passé, mec. Oh, mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! T'aurais pas pu faire une magnitude oh 7! Oh là 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 là! Je suis choqué. Ligateur. Non! Putain, mais mec, j'ai trop la galère! Machamp, je peux pas le battre, c'est un poké. Mais il est trop OP, enfin. Oh là là, Arbiza, il a crevé aussi. Bon, de toute façon, c'est pas une surprise. Il apprend Crunch. Bah, la place de morsure. Pas mal, Crunch. C'est une attaque au-dessus. Ok. Ah, c'est ah bien, oui, mais il met intimidation. Contre... Ouais, mais il a gagné 10 000 d'XP aussi. Et mon gars, attends, juste pour voir, estimer un petit peu son nombre d'HP. Ouais, il a quand même pas mal à jouer parce que, enfin. À full vie, je peux lui faire peut-être deux fois quoi. Bon, du coup, c'est passé avec Léviator, mais c'est tout le temps pareil quoi. Je suis obligé de sortir Léviator dès que je suis dans la merde, ça me saoule. Parce que Léviator, il XP pas beaucoup. Et puis, il va pas me servir pour la deuxième arène. Ça aussi, c'est un peu relou. Il veut pas me donner son Macogneur lui, sinon. Et tu me le penses? Comme ça, je gère le petit ferro-singe. Qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour. Ah, c'était toi, oui, bonjour. Moi, bon, je vais faire tous les dresseurs là, je vais faire Matt. Oh, tu sais ce qui m'aurait fait kiffer là? Ouais. Genre, le mec, tu sais que tu bats Stevie Steven machin, et ben genre, ouais. T'en raquettes un, celui que tu veux. Et tu lui voles son poké. J'aurais tellement volé sa mèche. J'ai parlé à Matt, il m'a donné une fraîche water, intéressant. What the fuck? Genre normal. Oh, ouais. D'accord. Et mec, va affronter les Macogneurs et tout, hein. Ils veulent rien dire. Ah oui, mais c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Ils veulent rien dire. Oh, Kikli! Kikli. Et là, limite, en fait, le truc qui est chiant... Alors, pourquoi dans un bateau, il y a des Pokémon de combat, je ne sais pas. Mais bon, mais le truc chiant, c'est que Mankey, mais... du coup, il... What? What? Mais c'est quoi ça? Mais c'est une salle de sport. Mais oui. Ah, mais c'est pas allé? Ça que tu disais? Non, moi, je veux pas aller dans ce stade-là. Ah, mais oh, tu vas voir. Machamp oui, level 21. Oh, oui, non, oui, non, voilà. Ah ouais, mais d'accord, mais c'est avec des Machamp. Oui, oui. Putain, en plus j'ai fait assurance sur un type combat, mais je suis con comme la lune. Oh, revanche. Oh, one shot monkey. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Oh, mais c'est fait one shot. Impossible. Mais quelle sale merde, monkey, putain. Oh là là. Ah, ça va, mon arbo qui résiste, c'est cool. Mais en même temps, mais oh mec, faut arrêter. Mec, bon, en soi, je le passe avec Léviator, mais. Wouah, knock off. Oh, mais mec, ça veut dire si tu leur mets des objets, ils t'arrachent des objets, ils s'en battent les couilles. Et mais c'est chaud. Mec, t'imagines, tu t'es fait chier, tu lui mets le multi XP, hop là, t'as plus de multi XP. Nique ta mère. Bonne soirée. Oh mon dieu. Et il a quoi, Toby, là? Parle à Matt, il a une fresh water. Pour toi. Ah ouais, mais moi j'ai pas trop envie de lui parler là, vu les pokés qu'ils ont. Putain, mais normalement c'est. Kikli, ah ouais. Bon, ça va, il est level 18. Je viens de tuer. Ah mon gars, choqué. Ah non, c'est. C'est vrai que Léviator il fait le taf. Hein. Mais en vrai. Thunderfang, être. Non, t'as Thunderfang Oui, avec mon Arbok. Oh, mais Arbok il est trop bien. Oui, oui, il a Thunderfang et Asfang. Oh putain, mais il a un Tino aussi, ce con. Oui, oui. Oh, Tino, il va me sortir Thunder Punch. Ou pareil. Peut-être. Attends, ah, je vais non, sortir mon Carabaf, moi, tiens. Ok. Gyarados, level 25. Easy. Enfin, pas oh, du il coup. Me fait Match Punch. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va, tranquille. Ok, je l'ai battu. Great combat. Et Josh, il a quoi? Ouais, mon gars, mais on va tellement pouvoir XP comme des porcs là-dedans. Ah oui, c'est clair. Ah, mais on aura même pas fini à cet épisode. Hein. Non, c'est ça pas. Ça fait déjà 10 minutes, on a fait deux salles. Et encore. Ah ouais.
Putain, je pensais pas que ça allait être long comme ça, quoi. Ah, ouais, c'est tendu. Putain, mais mec, même Léviathan, il galère, hein, des fois. Hein. Oh, match en play, il passera pas. Il est trop bon en vite. Il est sur match. Horrifique, monte de niveau. You can do it. Oh là là. Bon, je pense que avant le prochain épisode. Les poufous. Avant le prochain épisode, je les ferai monter. Je ferai monter Nidoking, Garbizarre et. En vrai, au carnage, j'ai pas envie de le faire monter. J'aurais me servir à qu'à faire vol. Je crois que Rokul il peut pas prendre vol, mais au carnage, tu peux monter sur lui, c'est bon. Oui, moi je sais pas si mon Dodrio va pouvoir voler. Hein. Ouais, mais moi tu vois, t'as un Dodrio, c'est. Enfin, ça impose. Oui. Mais what, pourquoi lui. Attends, les mecs ont tous des Pokécombats les plus stylés, et lui il te sort quoi? Un Aquakwak. Merde, j'ai plus de. Merde, j'ai plus de PP de. Oh merde. J'ai plus de PP de Rage du Dragon là, Dragon Rage. Oh, oh oui, non. Je l'ai flinch, trop bien. Allez, flinch encore là, Aquakwak. Bon, faut vite que j'aille me soigner, vite. Ah, ça va, il me fait un HP, pas trop, attaque, stop. Et il va attaquer 5 fois. Oh là là, il a failli attaquer 5 fois, je suis choqué de ma vie. Putain. Et Léviathan, il va crever là. Et c'est quoi le dernier? Au singe, oh putain, un monkey. Non, j'aurais pas dû faire. Bon, de toute façon, dans les deux cas, c'était pas ok. Bon, en fin de slash, ah, peut-être que t'es pas utile pour l'instant. Mais je veux un Luxray, moi. Ah, ouais, putain, mais où est-ce qu'ils ont eu des Luxray? En fait, j'ai l'impression qu'il avait un Ixi. Enfin, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on n'avait pas exploré assez les zones. On aurait peut-être dû peut-être un petit peu plus explorer. Parce que j'avoue que l'Ixi c'est quand même mieux que Voltali. Hein. Il est fort, Josh. Oh, attends, Herbiza il apprend quoi? Razor Lift. Eh ben enfin, fils de pute. Josh, c'est celui que j'apprends. Joss. Pas Chopper lui. Non, ça va, je crois. Mais c'est celui après, il a un Akoka qui a un Ferro Singe. Limite, ça sert à rien de le bot, il donne rien comme XP. Faut que je me cache, je vais affronter Matt. Enfin, Akoka qui donne un peu, mais c'est le moins. Non mais Matt il te donne une fresh water. Oh ouais mais voilà, très bien, je te donne. Il me donne tout. Putain, et les autres salles mec, ça va être quoi? Ça c'est censé être la première que tu fais en sort. T'as Yayo, il m'appelle. On s'en fout. Il va me dire, mangez pas un ratata. Il va me dire, ah mais remettez-moi dans la conversation. Hop. On va aller dormir magnitude. Un petit peu. Allez, tu peux le faire, ça me slash. Là, fais un magnitude 10, mon pote, et tu vas voir, on va gagner. Allez. Mais allez, arrête avec tes 7. Magnitude 10. Putain, en plus, c'est possible, je crois, jusqu'à 12 ou une connerie comme ça. Oui. Hop. Alors, deuxième salle. Oh, il y a un Onflex qui dort. Sur un lit, ça en bat les couilles, le bordel. Très bien. Putain, on est déjà à 13 minutes. Oh, ah mais on l'affronte en plus, le L20. Oh, quel sac à PV, putain, j'ai tellement l'arrache. L'eau, l'eau. Est-ce qu'on peut le capturer? Non, c'est un mec. C'est le mec qui le chope. Ah. Oh là là, les dégâts, mec, ça c'est les. Aïe, Rip Monkey. Ah non, il est pas mort. Putain, mec, j'ai vu sa barre de vie descendre. Mec, le Ronflex, c'était un Poké combat qui arrache. Monkey, il a trop monté. Oh, mec, il a monté de level. Ah non, un seul. Attends, tu sais que le mal chopper, c'est le dernier là. Ouais. Donc il était niveau 18 et du coup j'ai sorti mon soporifique niveau 16. Il l'a tué, il a monté deux niveaux d'un coup. What the fuck? Putain, what the fuck? Et Nate là. Ok, ben bah, dans la prochaine salle il y a qu'un sopo, un rond flex. Un qui donne flex. 5000 d'XP mec. Ou 6000, je sais plus. Ouais. Mais enfin, ça m'a fait monter d'un level. Je lui fais roulade sur la gueule, il va rien comprendre. Roulade sur la gueule. Ah, salut. Salut! Chaque fois on passe devant comme ça. Hop, oh, putain, le Lavandia. Mais du coup, on peut sortir du bateau, moi, genre. Ah, mais j'ai pas fait la quoi-quoi. Non, mais inutile, je vais pas le faire. Non, il sert à rien. En vrai, avec son ferrocage de mort là. Ah, c'est le papy George là. Ouais, José, là. José, je sais pas quoi. Attendez, je crois qu'il y a Yuan qui me parle sur Skype. Rajoute à la combe. Après, on rec. On va lui rouler à la gueule, hein. On va faire ça. Hop. Ça peut faire. Ok. Bon, après, j'espère qu'avec l'impact. Non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. J'allais dire, genre, c'est parce que roulade après le dégât, ça augmente. C'est la masse dégâts, ouais. Après. Là, pas du tout en fait.
Oh putain, attends, mec, il y a des bros, ils t'attaquent après. Des trucs qui s'appellent bro. Eh hey, bro. Eh hey, bro. Attends, j'arrache le ratata, voilà, petit coup de karaté derrière la nuque. Water gun, morsure, morsure, morsure. Allez, morsure. Ok, hop, il y a une bonne nanana. C'est mauvais, c'est mauvais. Ah, ça le finish. Si c'est ça le finish, c'est une bonne nouvelle en fait. Brotaco. Qu'est-ce qu'il a lui, Brotaco? Ratata. Ah, ils ont tous des ratata là? Bon, ça aussi, c'est free XP, ça va. Oh. Flinch deux fois de suite, c'est cool. Là, il n'a pas été flinch. Faut pas abuser non plus. J'aimerais bien faire XP aussi les. Tu peux le faire. Oui. Can do it, fagat! Oh non, il l'a pas fait! Bon, ah bah, ah, c'est... là il va monter en colossinge. Il va évoluer, les mecs. Et là, il va arracher des tuyaux. Il a horrifique, ramasse miettes. Regardez, il a 54 d'attaque. On va voir quand il évolue. Et il évolue, attention les mecs. Oh là là, putain. Et voilà. Et il apprend quoi? Qu'est-ce qu'il va apprendre ce con? Rage. Oh, c'est 20 puissance, c'est de la merde. Tu vas te gratter le cul, t'apprends pas ça. Ok, il va bientôt passer niveau 20. Oh là, il est 60, putain. C'est du coup, c'est ton Colossing? Vas-y, montre-le moi, tu vois. Oh, comme une classe derrière, avec ses punch. J'affronte Brojef. Et qu'est-ce qu'il a lui? Bah, un ratata aussi. Oh, attends, je pense que je l'éclate le ratata. Déjà que je l'ai éclaté avant. Karate chop. Bam! Oh lolo, sa barre de vie elle est partie comme. comme je sais pas. Hop. Ok. Bon, là, je le mode quand le singe parce que c'est lui qui va me servir pour l'arène. Plus que les autres. T'es où? Moi je vais aller re-soigner. Oh non, en fait j'ai même pas besoin de le soigner. Vas-y, j'arrive là. Je vais enchaîner la salle 3. Après, il y a que des ratatas, donc limite tu peux le faire hors en. Allô, la salle, hors, truc, à la salle si 3 là. Non, la salle 3 c'est là où il y a que les ratatas, il y a les. Ah merde, machin. Je suis avec les bros là. Bah vas-y, mais limite eux tu peux les faire en soi après, tu sais. Hors caméra, faut que tu veux. Hop, ah, c'est ouais. Quoi ça? Parce que vu qu'ils ont que des ratatas, en soi tu les arrêtes vite fait et puis voilà quoi. Et hop, bon après ils ont un rond doudou, ça va, ça donne quand même pas mal d'XP de mémoire ce connerie normalement. Wouah, des Mugwais! Oh, c'est bon, ça fait pas trop. Putain, ça fait déjà bientôt. Putain, c'est bientôt l'heure quoi, mais puis. C'est bientôt l'heure, mais ça passe tellement vite. Ouais, j'avoue que putain. Pika pika! Hop! Et le gros. Oh là là, le Pikachu! Oh merde, je suis paralysé! Oh là, où es-tu? Ah, le seul truc chiant aussi, parce qu'il y en a qui me l'avaient dit, genre on peut pas renommer ce poké, ouais, j'avoue que c'est un peu relou, mais bon. Attends, okay, mais t'es dans quelle salle? La salle 3, 4, je sais plus. Ah merde, non, je voulais pas envoyer Pidgeotto. Ah, t'es là. Eva, ah merde, bah tu bougeras. Je vais laisser creux, Pidgeotto. Parler à Annette, tiens. Est-ce qu'on peut parler à Annette? Non, bah non. Ok. Ok, un rond doudou. Ouais, ouais, c'est lui que je suis en train de battre. Et après, elle a un Pikachu. Mais je sais pas du coup qui fait XP. Je vais donner l'XP. Bon, un Pikachu, ça nous permet d'XP. Très bien, ça. Il faut vraiment que je fasse XP Nidoking. Hein. S'il vaut rien qu'il a une attaque seule. T'as un Nidoking, il est tellement à l'armasse. Pourtant, c'est un poké que j'adore. Quoi. Je voulais vraiment faire monter de ouf. Quoi. Ok, bon, Pikachu qui a crevé. Nickel. Alors vas-y, bouge un peu parce que je suis à la même salle, je vais te voir. Avec ah, mais il a crevé du coup. Ouais, mais tu peux le remettre. Tu peux le mettre en première même place. Même s'il est crevé? Ouais. Wait. Ah oui. Vas-y. D'accord, il est juste en mode crevé. Fais voir. Oh, il est stylé. Ah oui, il est stylé. J'aime bien. On peut pas dormir dans leur lit là, on peut pas, non? Non. Ça m'a pute. Bon, tant pis. Hop. Écoutez, bah du coup, on aura clean plus ou moins le bas. Plus ou moins. Putain, et c'est déjà l'heure, mec. Oh, sans déconner, c'est affolant le temps comme ça passe. Ça se revit. J'avoue que c'est abusé. Hop. Moi, je vais XP dans les herbes en haut. Ouais. Moi, je vais faire ça aussi pour le prochain et épisode. Et après, il y a une femme et un mec dans la prochaine salle. Ensuite, hop. Il y a Robert qui joue à la GameCube, tiens. Très bien. Et ensuite, la dernière salle, il y a un scientifique avec son malchoc. D'accord.
Bon, du coup, on va s'arrêter là. On va aller du coup dehors pour explorer un petit peu mon poké, pour essayer de les mettre plus ou moins tous au même level. C'est par là qu'on se casse. Mais on peut se barrer. Oui, mais il dit non tout à l'heure. D'accord, très bien. Si, si, si. Très bien, très bien. Bon, et ben écoutez, voilà. Merci à vous du coup d'avoir regardé cet épisode. Et puis, ben, on se retrouve, je pense, la prochaine fois. Voilà. Pour voilà. Peut-être clean le bateau. Pas commencer la reine, je pense pas. On n'aura pas le temps. Déjà, si on clean le bateau, ce sera pas mal. Bref, en tout cas, merci à vous et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Voilà, le mot de la fin, Kobusa. Voilà, gros bisous à tous et puis j'espère que ça vous plaira. Si ça vous a plu, un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et n'hésitez pas. Si des gens qui aiment Pokémon et qui aiment regarder des trucs comme ça, incitez-les à venir. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. Ou au pire, voilà. Vous avez carrément un petit bouton partagé, qui est plutôt pas mal. Bref. En tout cas, merci à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro point d'interrogation. Allez, à plus tout le monde. Moi, c'est pareil. Voilà. Allez, salut.